Tout va bien? Voilà. Et enfin, mon petit dip d'artichaut au basilic et ma pistounade. Et voilà, on a réalisé 3 recettes en presque 1 heure. Je te l'accorde, on n'a pas été très rapide, mais bon, en même temps, c'est tellement intéressant de discuter avec toi que le temps passe très vite. De notre côté, l'apéritif est prêt. C'est dommage que tu ne sois pas juste là parce que je t'aurais invité à le déguster avec nous. J'espère que tu as plein d'amis autour de toi pour déguster ces délicieuses recettes. Sinon, ben, tu peux toujours les inviter, il n'est pas trop tard. De notre côté, tu peux retrouver d'autres recettes d'apéritifs car c'est quelque chose que j'aime bien préparer. Dans Recettes Roulettes, on en fait plein, notamment le gazpacho qui est bien frais, le dip de lentilles corail, le feuilleté aux chèvres et j'en oublie un, le raita. Le raita, c'est tout simplement du yaourt avec des légumes râpés dedans et des épices. C'est le raita de Miss Épices. C'est tout simple et c'est délicieux. Avec par exemple du pain libanais, c'est vraiment succulent. C'est difficile